Bienvenue, monsieur, dame, à l'émission « Toute la Bible en parle ». J'aurai le plaisir d'interviewer Jules et Christiane Racine de l'Institut biblique Bethel à Sherbrooke qui entreprennent leur troisième année dans cet institut, dans les études théologiques et toutes sortes de bonnes choses. Avec Jules et Christiane, nous réfléchirons sur le sens d'un réel engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Aussi, avec eux, nous tenterons de comprendre ce qu'implique vivre pas à pas avec Jésus. C'est possible, pas besoin d'attendre d'être mort, comme il y en a qui disent, avant de connaître Jésus-Christ. On peut vraiment déjà ici-bas le connaître. Et vous allez voir que durant cette entrevue, ils vont en parler très librement. J'aimerais vous inviter maintenant à nous téléphoner. Ça fait déjà 3 semaines, c'est la 3e occasion et c'est la dernière durant cette émission. Nous vous offrons encore l'inspiration et l'autorité de l'Écriture sainte. Il y a un verset dans l'Écriture, justement, le tentateur s'étant approché de Jésus, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous avons le Nouveau Testament et les psaumes à vous offrir. En réalité, lorsque vous téléphonez, vous pouvez recevoir l'inspiration et l'autorité de l'Écriture sainte. Pour ce petit livre, le Nouveau Testament, c'est un peu spécial. Écoutez bien, il vous suffit de prendre note de l'adresse à la fin de l'émission. C'est une adresse en Ontario. J'étais à Guelph dernièrement, j'ai rencontré le directeur qui nous a permis, toute personne qui écrira à l'adresse que vous allez retrouver à la fin de l'émission, peut recevoir un Nouveau Testament et les psaumes. C'est un petit livre vraiment que vous devez recevoir. Il vous suffit de noter l'adresse, d'écrire, et vous allez recevoir le Nouveau Testament et les psaumes. Nous nous rendons maintenant, sans plus tarder, auprès de Jules et Christiane Racine, qui sont à l'Institut biblique Bethel à Sherbrooke. Jules et Christiane Racine, de bons amis. Il ne faut pas dire de vieux amis. Mais ça fait longtemps, il me semble. Ça fait un bon moment que nous nous connaissons. Oui, ça remonte à quand? Depuis Noël 77 environ. Et c'était au bord du Richelieu, là, Mont-Saint-Hilaire, Belle-Oeil. C'est ça. Les études bibliques. Autour de la parole de Dieu, autour de la Bible. Avec un foyer en arrière, comme arrière-plan, si on peut dire. Là. Le foyer était allumé avec une belle bûche, et puis on a eu de bons instants ensemble. Et vous n'êtes pas étranger non plus à toute la Bible en parle. Qu'est-ce que vous faisiez, là? Moi, je le sais, mais pour l'intérêt de nos amis, là. Bien, moi, je faisais partie de l'équipe technique. En tant que régisseur, j'ai presque touché à tout, sauf comment mettre ça sur les ondes. C'est à peu près la seule chose que je n'ai pas fait. Hein, mm-hmm. Et aussi, je me souviens, je faisais partie des comités d'administration, différents autres comités aussi qu'il y avait. Et Christiane, nous avons encore besoin d'une secrétaire à toute la Bible en parle. Le poste est toujours vacant. On a partagé le travail entre plusieurs, entre nous, là. Oui. Mais tu étais secrétaire de direction. Oui, en effet. Et lors de la production aussi, lors des enregistrements des émissions, j'avais un poste, un tout petit poste, mais chacun des postes a son importance. Et c'était bien que je sois là aussi. Oui. Et vous avez connu le Seigneur il y a quelques années, dans ces années-là, en arrière, là, tout près. Ça ne faisait pas tellement... Quand vous êtes venu à l'émission « Toute la Bible en parle », ça ne faisait que quelques mois. En effet, quelques mois. Et à cette époque, nous enregistrions à Belle-Oeil. En direct. À BHMO. Dans un tout petit studio. Oui, oui. C'est quelque chose. C'est bon de se rappeler de ça. Et si vous étiez là, au début, si vous vous souvenez de BHMO, les gens de la région du Richelieu. Eh bien, n'hésitez pas à appeler tout de suite et nous dire que vous avez vu ces émissions du début.
Quelle est votre situation présentement? Bien, maintenant, nous sommes aux études à l'Institut biblique Bethel, tout près de Sherbrooke, même si on peut dire que c'est dans Sherbrooke presque. Mm-hmm. Et là, nous sommes aux études pour une période de 4 ans. C'est ça, l'avenir. C'est ça, il y a eu un appel qui s'est précisé dans notre vie pour retourner aux études et se préparer davantage pour d'abord mieux communiquer notre foi et ensuite mieux servir le Seigneur peut-être aussi. Oui. Je vous ai rencontré, on a eu des rencontres autrefois. Je vous posais la question avant l'émission, tout à l'heure. Je me souviens d'un jour où nous avons parlé ensemble. Et vous avez posé la question, est-ce qu'on devrait ou pas aller mettre du temps à part pendant quelques années, nous rendre dans l'Estrie, à l'Institut biblique Bethel, pour étudier la parole de Dieu. Et ici, à l'Institut biblique Bethel, il y a plusieurs jeunes qui viennent étudier. Mais déjà, vous aviez exercé votre profession, votre métier, votre travail, et vous aviez déjà votre maison, vous aviez vos occupations à l'église, et ça ne vous a pas découragé de venir étudier, malgré l'écart d'âge qu'il aurait pu y avoir. Bien, disons que peut-être il y a quelques années que c'était plutôt des jeunes qui venaient prendre des cours bibliques, mais maintenant, il y a beaucoup de couples qui viennent suivre ces cours-là. Alors, non, ce n'était pas décourageant, pas du tout. En tout cas, nous vous avons trouvé courageux. Ça ne vous paraît peut-être pas comme ça, mais de pouvoir, de tout laisser, en fait. Nous allons en parler peut-être un peu plus tard au cours de cette émission. Tu allais ajouter quelque chose, Jules? Oui, donc, je me souviens quand on était à Saint-Hubert, on pensait à venir ici, puis le fait justement de l'âge et de la situation sociale et tout, ça me semblait un peu comme un obstacle. Oui. À pouvoir vraiment venir. Mm-hmm. Mais par après, le Seigneur m'a vraiment parlé et ça a été presque dramatique aussi quand il m'a parlé. Je n'avais vraiment pas le choix. Alors, il fallait que je vienne. Est-ce que ça veut dire tout perdre? Non, c'est vraiment tout au contraire parce que en venant ici, nous avons découvert comment est-ce que le Seigneur prend soin de nous. Tout le temps, depuis le début, le temps que nous avons pris la décision de venir ici, le Seigneur il nous a constamment guidés, il nous a constamment plus que guidés, même il nous a bénis à travers toutes ces choses-là, tout notre cheminement que nous avons fait et tout. Je me souviens quand j'étais à l'Institut biblique, si tu me permets, Christiane, tu allais dire quelque chose, les professeurs nous répétaient souvent, « Ce que vous allez apprendre, n'est pas tout écrit dans les livres. Mm-hmm. » Il y a... Vous savez ce que je veux dire, hein? Exactement. Oui, justement, on s'est rendu compte avec le ministère, parce qu'avant de venir ici, nous étions quand même à l'œuvre dans l'Église, pas à temps plein, mais à temps partiel, mais nous avons œuvré quand même, et on a vu comment c'est que l'expérience que nous avons acquise dans l'Église est efficace ici. Oui, elle vous sert sûrement. Oui. Parce qu'on a l'occasion de rencontrer des jeunes qui sortent de l'école et qui viennent ici et on voit quand même une certaine différence. Oui. Christiane? Oui, puis lorsqu'on dit que nous n'avions pas le choix, peut-être est-ce qu'on peut ajouter un petit quelque chose là, c'est que si l'on voulait obéir au Seigneur, le choix était est-ce qu'on obéit ou est-ce qu'on n'obéit pas? Nous avions le choix de refuser cela, de refuser d'obéir au Seigneur. Mais l'appel était très clair. Et franchement, est-ce qu'on peut s'opposer à Dieu? Alors, c'est pour cela que... Vous avez été obéissant à l'appel du Seigneur. Parce qu'en fin de compte, venir à Bethel pour étudier, c'est d'entendre l'appel de Dieu. Personne qui est censé, là, dirait... je vais laisser mes amis, ma famille, ma maison pour venir étudier pendant 4 ans si ce n'était pas vraiment un appel du Seigneur.
Oui, et puis même, quand on dit laisser notre maison, bon, c'est pour un moment. Ici, nous avons tout de même un toit sur la tête, nous sommes bien logés, nous sommes bien nourris, et il n'y a pas de difficulté. Mais qui ne fait pas de parenthèse parfois dans sa vie? Pour en ce moment, c'est ce que nous vivons. Mais l'avenir, on ne le sait pas, on verra. Autrefois, on disait, un tel est entré en communauté. Est-ce qu'on peut démystifier cette affaire-là, entrer en communauté, avec ce que vous avez fait pendant juste un petit moment? Vous voyez le contraste qu'il pourrait y avoir dans l'idée. Est-ce que vous êtes entré en communauté? Je ne crois pas que c'est ce que vous voulez dire du tout. Ce n'est pas du tout la même chose, je crois. Si on se reporte à il y a quelques années, les gens qui entraient en communauté quittaient leur famille et allaient dans un endroit où ils demeuraient parfois, ou en tout cas, leur famille était un bon moment sans les voir. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Nous voyageons, nous avons toute liberté. Nous voyageons, nous voyons notre famille et ce n'est pas la même chose tout à fait, je crois. On ne peut pas faire vraiment une... En tout cas, on peut comparer si on veut, mais c'est différent. Ici, nous sommes libres, nous étudions la parole de Dieu, c'est pour ça que nous sommes là pendant un temps. Mais après cela, nous retournerons là. Nous retournerons où nous étions, où nous irons ailleurs. On verra ce que le Seigneur nous montrera. Ce qui est merveilleux aussi, c'est que déjà, vous pouvez mettre en pratique ce que vous apprenez. Vous pouvez le concrétiser dans des ministères que... auxquels vous vous sentez vraiment appelé. Oui, à chaque année, nous avons l'occasion de soit de travailler dans des églises ou même entre-temps, en dehors même de l'été, pendant même la période des cours, nous pouvons... Des stages un peu partout. Oui. La grande question, quelles sont les conséquences d'un réel engagement spirituel? Et là, prenez le temps de bien répondre à ça. Et c'est ce que nous voulons savoir. Bon, il y a plusieurs conséquences. Le fait de s'engager vraiment au Seigneur, ça peut nous donner des doutes, comme on l'a dit tantôt. Mais par contre, quand on regarde au Seigneur lui-même, il y a toute une série de bénédictions qui découlent. Parce que il y a un passage dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 29, 11, qui, pour moi, est un verset clé pour ce genre de conséquences-là. Et c'est dans Jérémie 29, au verset 11. C'est Dieu qui parle. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Amen. Afin que de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, le Seigneur, il nous donne des projets où il fait des projets pour nous, et ce n'est pas des projets de malheur. Et pourtant, on dirait, oui, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a tant de malheur, tout ça? Mais l'Éternel le dit, c'est des projets de paix que j'ai formés sur vous, et non de malheur. Alors, il faut vraiment s'en remettre à lui. Oui. Une deuxième conséquence, en venant ici, je l'ai remarqué beaucoup, c'est que le Seigneur nous donne du repos. Oui. Et il y a aussi dans le Nouveau Testament un passage pour ça dans Matthieu 29, 11. Matthieu 11, 29. Je pense que Fernand, toi, tu le mentionnes assez souvent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit le Seigneur. C'est ce repos-là que nous avons goûté en venant ici. Et quel contraste avec la vie que nous menions avant. Du moins que moi, je menais avec des compagnons de travail, des amis. Mais je n'avais pas ce repos que j'ai atteint ici, que j'ai acquis et tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire en 3 minutes pour résumer toutes ces bonnes choses que vous avez à nous communiquer, là? Ça passe tellement rapidement. On fait juste de commencer à se réchauffer. Bien, il y a entre autres une chose sur laquelle on peut dire quelques mots également. C'est que parfois, on pense à la vie en la regardant comme une réussite. Tout le monde, chaque individu veut réussir sa vie. Et ça, c'est humain, c'est tout à fait normal. Et aussi, chaque être humain souhaite être le plus épanoui possible. Mais si Jésus-Christ n'est pas dans notre vie,
Moi, je le dis par expérience, on ne peut pas avoir cet épanouissement, le même épanouissement. Il y a toujours quelque chose qu'on cherche, il y a toujours une question à laquelle on n'a pas de réponse. Je ne veux pas dire que nous, on a toutes les réponses, absolument pas. Nous sommes comme tout le monde. Mais lorsque Christ, lorsque Jésus-Christ mène notre vie, il y a là certainement une grande différence. En lui, nous avons notre repos, comme je l'ai dit, et c'est aussi un Dieu de consolation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui pleurent, il y a des personnes qui sont malades, qui sont seules. Mais le Seigneur veut nous consoler, veut réjouir notre cœur. Ça, c'est certainement une chose qu'il fait. Mmh. Entre autres, parce que de donner notre vie au Seigneur a bien d'autres conséquences qu'on n'a pas élaborées ici. Mais ça, c'en est une sur le plan humain. Sans parler qu'il a une vie éternelle heureuse pour nous. Il a plein de choses en réserve. Oui, c'est formidable. Je suis persuadé que tout ce que vous venez de nous dire maintenant, ça peut se traduire dans des faits concrets. Vous avez des illustrations qui pourraient nous aider à saisir ces grandes vérités-là que vous énumérez. Oui, excuse-moi. J'en ai une. Ça me fait penser à deux personnes qui construisent une maison. Il y a une personne qui construit sa maison sur le sable, par lui-même. Et il y a une autre personne qui construit sa maison sur un terrain solide, comme un roc, parce qu'elle consulte Jésus-Christ, le Sauveur. Et lorsque vient la tempête, la maison sur le sable va s'écrouler. Mais la maison sur le roc, il peut bien vanter assez fort, elle ne s'écroulera pas. Parce que Jésus-Christ est le roc. C'est lui qui fait la force, c'est lui qui fait notre force. Vous aimeriez encourager tous nos amis à fonder leur vie sur ce roc. Absolument. C'est notre grand souhait. Amen. Croyez-le ou non, c'est déjà la fin de notre petit entretien, mais ça passe trop vite. Trop vite. Il va falloir arranger un rendez-vous tous les trois, encore une fois. Ce sera probablement possible, n'est-ce pas? Jules et Christiane Racine, merci beaucoup. Merci. Eh oui, je pensais que ça, c'est beaucoup mieux que le roc de Gibraltar, de pouvoir construire sa maison, qui est notre vie, sur quelqu'un d'authentique, de réel, la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose, il faut bâtir sa maison sur le roc. Et nous le répétons, et il faut répéter l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui libère. Et j'aimerais vous dire que nous avons quelques instants maintenant pour vous rappeler que vous pouvez recevoir l'inspiration et l'autorité de l'Écriture sainte. C'est un joli petit livre vert que vous pouvez demander tout de suite pendant l'émission. Commencez à téléphoner maintenant, dès cet instant et gratuitement, nous vous ferons parvenir cette brochure. Nous avons une autre bonne nouvelle, et celle-là, il faut écrire pour l'avoir. Même si vous téléphonez pour vous demander le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas vous le faire parvenir. Nous pouvons vous offrir seulement l'inspiration et l'autorité de l'Écriture sainte par la poste, c'est-à-dire lorsque vous appelez, et par la poste, le petit Nouveau Testament et les psaumes dans un seul petit livre. Et c'est offert par les Gédéons, les mêmes qui offrent les livres dans les hôpitaux, les écoles, les motels, les hôtels. Nous avons été privilégiés pendant les deux dernières semaines, la troisième semaine aujourd'hui, là, avec Pierre Saint-Cyr et son épouse Josée qui était là pendant les deux dernières semaines. Et aujourd'hui, c'est Pierre qui est là, il est prêt à dialoguer. Il a intitulé sa chanson « Dialogue ». Alors, il va nous chanter quelque chose et le chant de Pierre est aussi un message. Ce n'est pas simplement pour nous divertir, mais Pierre voudrait que vous puissiez écouter les paroles de ce chant « Dialogue ». Pierre Saint-Cyr. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par qui toute
choses a été faite, toute chose, toute chose. Combien de fois ai-je moi-même établi mes lois sur toute chose, sur toute chose. À Golgotha, pendu au bois, chaque coup porté à son visage, c'est chaque fois que j'ai manqué de moi. Pardonne, pardonne-moi. Son sang, Jésus, j'ai mis pour moi. Je me sens si indigne de toi. Pardonne. Et Dieu répondit, enfin peux-tu entendre ma voix, réjouis-toi car j'ai déjà tout oublié, toute chose, toute chose. Ne regarde plus cette vieille vie, écoute ma parole, inscris-la dans ton cœur, en toute chose. En toute chose. À Golgotha, sur une croix, j'ai immolé mon fils pour toi. Grande est ma joie, car tu reviens à moi. Peu d'ouvriers. Va vers le monde annoncer cette joie. Je voudrais tant qu'il croit en moi, sache que je suis l'éternel des hommes. Et que je suis vivant. Va vers mes enfants, sont des millions prisonniers de la nuit. Va, je marcherai devant toi. Merci beaucoup, Pierre Saint-Cyr. C'est à Golgotha qu'il faut aller. Vaut mieux aller à Golgotha, devant le calvaire, devant Jésus, pendant notre vie ici-bas, que de passer devant lui sans avoir passé par Golgotha pendant cette vie que nous vivons sur terre. Parce que c'est maintenant que nous pouvons régler cette question primordiale, importante, dans notre vie, cette question spirituelle, faire la paix avec Dieu par la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas manquer cette dernière occasion puisque nous allons vous offrir d'autres livres dans les prochaines émissions, mais c'est la dernière fois que nous vous offrons au cours de la série l'inspiration et l'autorité de l'Écriture sainte. Et j'aimerais prendre juste quelques instants pour vous lire
les titres à l'intérieur de ce petit livre qui sauront sûrement vous intéresser. Manuscrits et traductions. Jésus, le grand sujet de la Bible. L'Ancien Testament dans le Nouveau. Accomplissement des prophéties. Révélation divine. Et le dernier petit chapitre, comment lire les Écritures. Un peu plus tard dans la série, nous allons vous offrir un livre intitulé « Comment lire la Bible » et un autre qui dit « Comment comprendre la Bible ». Nous avons des livres cette fois-ci qui vous aideront à saisir l'importance de vous nourrir, comme nous avons lu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et je ne veux pas oublier de vous parler à nouveau de ce Nouveau Testament. J'avais 11 ans la première fois qu'on m'a remis un petit Nouveau Testament. J'étais à l'école et un monsieur est venu nous présenter des petits Nouveaux Testaments. Il était rouge en 1947 pour les écoliers. Même, je crois, aujourd'hui, on offre des Nouveaux Testaments dans les écoles. On continue à les offrir dans les hôpitaux, dans les hôtels, les motels. Les Nouveaux Testaments et les Bibles Gédéon. Et savez-vous que vous pouvez vous adresser aux Gédéons qui sont à Guelph, en Ontario? Vous allez voir l'adresse à la fin de l'émission. Et un Nouveau Testament ne sera envoyé qu'aux personnes qui en font la demande. La semaine prochaine, Jacques et Nicole Lamarche de Jeunesse en mission seront là. Soyez des nôtres. À bientôt.